Bon, aujourd'hui, c'est le 15. Le 15 janvier, c'est vendredi, on est en fin d'après-midi. Il est à Montréal, 5h15. Il y a 3h, le téléphone a sonné de ceci, le Centre d'études et de coopération internationale m'a appelé pour accompagner une délégation du ceci le matin à 6h30, départ de Montréal pour aller à Port-au-Prince, aller accompagner un chargement de ravitaillement, de vivres pour les gens là-bas. Donc, je vais en savoir davantage, là, mais je pense qu'on apporte des pansements, on apporte des médicaments, on apporte aussi des moustiquaires. Donc, le but de l'opération, c'est de documenter de façon vidéo que l'argent des Québécois qui a été donné jusqu'à maintenant, plus de 200 000 $ qui a été donné au ceci, se rend bel et bien en Haïti. Donc, je vais être là samedi, dimanche, lundi, mardi. Ben, je vais être là, donc de retour mardi, je documente sur le plan vidéo, numérique, cette opération-là. Je vais aller même aussi utiliser mes bras pour prendre le ravitaillement et les apporter, les donner aux gens là-bas. J'ai pas trop quoi m'attendre, évidemment. On voit des images qui circulent. Les corps, les cadavres sont là. La crise commence à s'installer parce que là, les gens n'ont pas bu, n'ont pas mangé depuis 3 jours maintenant. Pas dormi. Pas dormi. Dormi à terre. Il y a tout le contexte de l'incertitude. Les gens qui attendent, qui ne peuvent pas avoir la communication de leurs proches. Parce que la communication cellulaire et téléphone est complètement anéantie. Ma blonde a quand même donné la permission d'y aller. La permission. J'ai dû négocier fort. Pardon? Non, tu n'as pas négocié. Tu m'as dit envoie la photocopie de mon passeport à ta soeur tout de suite, là, en dans de 15 minutes. J'ai tout envoyé. J'ai peur. C'est pas qu'il fallait que tu me demandes la permission. Je comprends exactement pourquoi tu t'en vas. Je sais ce que tu vas faire, mais. En question de permission, je veux que mon Philippe me revienne, moi et les enfants. C'est ça? On s'en va souper avec les enfants, justement, là, ce vendredi soir, à notre petit restaurant de rituel, frites à l'or, on va manger. Après ça, je vais passer à TVA, à l'émission de Denis Lévesque. On va aller raconter cette mission qu'on s'en va faire, une mission qui est aussi personnelle pour moi, puisque je l'ai fait avec ma soeur. Philippefehmiu, qui travaille aux communications pour le ceci, que vous pouvez suivre au ceci.ca. Vous pouvez aussi faire des dons au ceci.ca. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ça. Je vous garde au courant bientôt.